Molière est un génie parce qu'il a inventé le rôle. C'est-à-dire qu'avant Molière, il n'y a pas de composition de rôle. Il a pris le mot « drôle », il a enlevé le « dé » de « dramatique », justement, hein, personnage dramatique, et il a fait le rôle. Et donc ça veut dire que l'acteur prend le même personnage, Cyrano, Hamlet, et les milliers d'acteurs qui ont interpréter ce personnage. On en fait des milliers de rôles. Donc, grâce à Molière, un, l'art du comédien a été inventé, ce sculpteur de rôle, si tu veux, et le deuxième coup de génie de Molière, c'est incroyable, c'est que c'est lui qui a inventé le rire à la française. Ça veut dire que l'humour britannique, c'est de se distancier par rapport à la chose. Tu peux rire de quelqu'un qui se pète la gueule sur une peau de banane, mais lui, il a inventé le rire de te moquer, non pas des autres, mais de toi. Les Britanniques ne le font pas. Ils ne se moquent pas d'eux-mêmes. Alors que lui, en inventant ce rire, où tout d'un coup, que ce soit le cocu dans l'histoire, que ce soit le valet dans l'histoire, que ce qui s'est fait battre, peu importe. Il a cette force et ce panache de se foutre de lui.